Eh bien salut tout le monde, c'est Mister B-Boy 45, comment allez-vous les amis? Moi ça va très très bien et aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode 2 de notre aventure sur God of War. Nous sommes toujours sur PlayStation 4 Pro et bien évidemment cette vidéo est toujours disponible en 2K, profitez-en, cette aventure est pour le moment incroyable. Il est temps de retourner à la maison, je suis toujours avec Atreus, mon fils bien évidemment, et... Oh... La jauge d'étourdissement des ennemis se situe sous leur jauge de santé. Lancez une série d'attaques répétées contre l'ennemi pour infliger des dégâts d'étourdissement qui permettront à la jauge de se remplir. Quand elle est pleine, l'ennemi est étourdi. Appuyez sur R3 pour saisir un ennemi étourdi. Oh, on peut lui faire du sale à mon avis. Hein. Kratos peut passer en mode manu en lançant la hache ou en la rengainant. D'accord. Les flèches et attaques à manu infligent des dégâts... très bien, très bien, très bien. Ok. Ah, ça me plaît, ça. Ça me plaît. Ok, les gars, on va tous les faire. Hein. Oh, 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 lève-toi. Oh là 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 là. Ok, 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 d'accord, j'ai bien compris. J'ai bien compris. Donc, je pense qu'on va quasi tout faire à main nue, hein, parce que vous l'avez vu, c'est quasi du one shot. Trois coups, et ça dégage. D'ailleurs, est-ce que je peux casser ça? Oui. Donc, c'est-à-dire qu'il peut potentiellement y avoir... des choses cachées sous les sauts retournés. Hop, comme de la vie par exemple, mais j'en ai pas besoin pour le moment. C'est très très bien. Très bien. On continue d'apprendre. On est toujours dans la phase de tutoriel. T'arrives toujours pas à ouvrir les portes, hein? Silence. D'accord. Pourquoi je lui ai mis un coup de pression gratuitement comme ça là? Ah oui, d'accord. Ok, donc Kratos ne sait pas ouvrir les portes. Très très bien. Ok. D'accord, je peux verrouiller qu'un ennemi. Et c'est parti! Hop, ça dégage! Ok, j'ai besoin d'être concentré. Donc c'est énorme, Manu. Attendez, mais la hache me sert à rien en fait, en tant qu'ici. C'est quasi du one shot à manu, regardez. Alors, c'est que le début du jeu, hein, évidemment. D'ailleurs, apparemment, j'ai... Oh. Voilà. J'ai lu quelques avis et le jeu est assez compliqué. Ah ouais, lui, par contre, j'ai peut-être qu'un dit. Oh. Oh putain. Oh mon dieu. Oh, c'est beau. Chaque ennemi a son critique. Ça, c'est beau, ça me plaît, putain. Très bien, ça s'est fait. J'avais bien dit que la forêt était différente. Et je t'ai dit de te taire. Oh, c'est tellement haineux. Je l'adore. C'est le bon haineux des familles. Oh là là, quand tu rappelles la hache. Attendez. Et vous avez vu contre les arbres, regardez. Regardez la végétation. C'est énorme. C'est énorme. Allez, on y va. Oh, je kiffais. Ok, très bien. Le voyage, les arbres marqués, retournez à la maison. On y est presque, hein, on y est presque, pourquoi on y est d'ailleurs. Un troll de feu voudrait brûler le jardin de maman. Et depuis quand les drogards s'aventurent si près de la maison? Et c'était quoi cette chose qui nous a attaqués? Je ne sais pas. Maintenant tais-toi, on est presque à la maison. Tu poses trop de questions, fils. Ça ne va pas du tout. Ok, on y est. On a fait tout le tour de la maison. Un petit plaisir. Allez, rentre.
très bien. Bah, il fallait quand même aller récupérer les cendres hein, de sa femme. Tu t'es laissé emporter. Cette chose voulait nous tuer. Et toi, tu te mets tout le temps en colère. La colère peut devenir une arme. Si tu la contrôles, tu peux t'en servir. Mais ce n'est pas ton cas. Quand tu perds... J'ai pas été malade depuis longtemps. Je vais mieux maintenant. Très bien. Alors, vas-y. Tu veux que je te frappe ? Je veux que tu essaies. Aïe ! Pourquoi tu... Recommence. Pourquoi tu fais ça ? Tu es trop lent. Recommence. Mais arrête ! Trop mou, essaie encore. Encore. Ça suffit ! Encore ! Cette colère, tu peux te perdre en elle. La route est longue et difficile. Et toi, Atreus, tu es loin d'être prêt. C'est quoi ça ? Silence. Sors de là ! Ça sert à rien de te cacher. Je sais qui tu es. Qu'est-ce qui se passe? Tu le connais? Et mieux encore, je sais ce que tu es. Atreus, sous le plancher. Allez! Tu m'as toujours interdit d'aller là-dessous. Tu sais qui c'est? Je n'en sais rien. De quoi est-ce qu'il parle? Aucune idée. Rentre là-dedans. Dis-moi seulement ce que je veux savoir. Inutile de faire couler le sang. Je te voyais un peu plus grand. Mais pas de doute, c'est bien toi. Tu es bien loin de chez toi, hein? Qu'est-ce que tu veux? Oh, je suis persuadé que tu le sais déjà. Peu importe ce que tu cherches, je ne l'ai pas. Passe ton chemin. Et moi qui croyais que ceux de ton espèce étaient sages, tellement meilleurs que nous, tellement plus brillants. Pourtant, tu te caches ici dans les bois comme un sale lâche. Tu es sûr de vouloir te battre? Oh. Mais c'est bien pour ça que je suis là. Ah! Chez moi. Oh. J'ai bien peur que tu doives me tuer pour ça. Je t'avais prévenu. Enfin. Tu aurais dû écouter. Non. 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 D'accord. À mon tour. Damn! Ah, je suis terriblement déçu. Allez, amène-toi. C'est quoi ce bordel là? On s'envoie des patates à la Superman, c'est terrible. Oh, tu prends ce que tu mérites, hein. Des petits coups comme ça, des petits chassés, c'est la famille. Ah oui, d'accord. J'ai pas ses pouvoirs, moi, frère. Hein. Doucement, doucement. Ah ouais. Oh, la vache. Ah, je peux pas lui envoyer Mash. Mais c'est un dieu aussi, lui. C'est un demi-dieu, y'a quoi? Doucement, doucement. Ok, très bien. Wouah!
c'est bon. C'est pas évident, les gars, hein, vraiment. Hein. Il met des patates, je peux vous dire que ça décolle. Hein. C'est le dentiste des temps modernes. Hein. Ok, 1, 2, 3, 4, coup critique, 1, 2, ok, donc je peux mettre un combo avant qu'il me combo à son tour. Ok, ok, c'est bon, je les lock, ça c'est lock, ok, bon là il y a un problème, c'est qu'il me faut des heals, hein. Il me faut quelque chose. Ouais, mais maintenant elle est un pour bloquer, frère, ça. T'as oublié comment te servir d'un bouclier? D'accord, ok, c'est foutu de ma gueule. Oh, stylé! Ok, tu recules, frérot. Pathétique. Quoi? J'avais le bouclier! Aïe! Aïe! Dis-moi ce que je veux savoir et je te laisserai tranquille. Pourquoi est-ce qu'il y a de l'is? Je m'excuse. J'en ai rien à foutre. Hein. Je m'arrête pas. Hein. Je m'arrêterai jamais. Hein. Aïe! Aïe! Oh, c'est tellement stylé la mise en scène. J'ai touché un point sensible, on dirait. Oh là là! Qui est-ce que tu caches? Tu es vieux et lent. Tu n'aurais pas dû venir en garde. Quoi? Bien. On remet ça? Tu parles trop. Tu refuses de parler? Très bien. La personne que tu... J'ai une nouvelle jauge là qui se remplit, je ne sais pas c'est quoi. Jauge de rage sûrement. Rage spartiate! Oh, je vais lui coller la petite, hein. Ah, c'est qui? C'est qui tu protèges, hein? Je vais trouver. Ok, on est reparti. On dirait un combat de boss final, frère, limite. Oh, le délire. Ça sert à rien de se protéger. Oh, insane. Ok, faut que j'en profite, hein. Je sais pas combien de temps ça dure. Bon, là c'est le tuto, donc ça a l'air d'être quasi infini. Mais il peut rien m'arriver. Je me sens chaud là. Ah putain, si, ça va bientôt s'arrêter. Ok, c'est pas fini. Ah, c'est totalement fini. Oh, ça c'est beau ça. Ok, ça c'est pas mal ça. Le bouclier il protège vraiment bien. Ok, c'est pas mal. Ok, c'est pas mal, hein. Je mettrai à chaque fois un coup en contre comme ça. Vraiment pas mal. Et ça augmente en plus ma jauge de rage spartiate. Ah putain, bien joué à toi. T'as été meilleur, hein. Ok, j'ai pas ce... Il a une rapidité, le frérot, là. Allez, ça dégage, hein. Ça prend très rapidement tout le décor. Il est content. Énorme. Tiens, dans ta gueule. Va t'apprendre à rire. Tiens, hop, dans ta gueule encore. Tiens, y'a quoi, hein? Je suis là, hop, le droit, tu vas aller. Fermez sa gueule, celui-là, hein.
Et hop! Je peux t'entendre! Ah! J'espère que le plancher était solide, hein. Oh, il va encore sortir, les gars, comme si de rien n'était. Ok, je dois faire quoi? Ok, je dois aller à la maison, je crois. Ah, il m'a mis dans un sale état, hein. Franchement, je sais pas qui c'est. Je connais pas son don, mais insane, hein. Il m'a mis dans un sale état, les gars. Et voilà, c'était sûr. Quand Odin m'a envoyé ici, je voulais simplement me dire à une pause, mais toi. Il a fallu que tu fasses le malheur. Tu peux me frapper en temps, petit main. Ton corps va finir par lâcher. Mais avant que je l'achève, il y a une chose que tu dois savoir. Je ne sens rien. Rien. Ok, on va remonter calmement. Bon, c'est une situation compliquée. Hein. Propres yeux, tu ne peux pas me blesser. Je suis invulnérable. Ce combat est inutile. Tu as perdu d'avance. On va essayer, on hein. On aurait pu éviter tout ça. Qui ne tente rien à rien, comme on dit. Pas des... Tu ne peux pas gagner. Je ne sens rien. Mais toi, tu sens tout et pourtant, tu continues à chanter. Je suis pas comme mon frère. Si tu m'avais donné ce que je voulais, on n'en serait pas là. Mais non! Finissons-en. Ok. Là, j'ai sorti la hache, ça commence à me gonfler. Ça, c'est de la triche. Ça, c'est de la triche. Ok. Allez, hein. Ça dégage. Je ne sens rien. Hop. Oh, c'est tellement stylé de faire ça. Ok. Lancer la hache comme ça, c'est vraiment stylé. Ok. Il a réussi à me counter. Ok, là, faut courir. Il suffit de connaître les patterns, comme on dit. Oh, c'est pas mal, ça. Mais c'est vraiment énorme, hein, chaque enchaînement. Ok, c'est pas mal, c'est pas mal. Allez. Ok. Allez, on court. C'est pas évident, hein, c'est pas évident. Ok, je l'ai touché. Tu ne peux pas me battre. Ok, c'est pas mal ça, on s'en sort pas mal en vrai. Désolé les gars si je parle pas, mais là je suis hyper concentré. C'est un boss, hein. Aïe aïe aïe, cette technique ancestrale. D'où Jésus. Ok, on se court. Ok. Normalement c'est pas mal. Allez, ça dégage. Je vois pas comment l'arracher. Hein. J'espérais
qu'en t'affrontant, toi entre tous, j'aurais fini par sentir quelque chose. Mais c'est impossible. Allez, go! On se pose les mêmes questions. Il savait qui j'étais. Est-ce qu'il connaissait mon passé? Comment m'ont-ils trouvé après tout ce temps? On se pose aussi les mêmes questions. Mon cher Krakra, comme j'aime l'appeler, dans le milieu. Faye, qu'est-ce que je dois faire? Notre fils n'est pas prêt à porter des cendres au sommet de cette montagne. Bon, il va essayer, il va faire l'effort. Je peux pas me régène là? Petite technique comme ça, ancestrale. C'est bon, j'ai récupéré de la vie, ok, d'accord. J'ai bien le régène. Et moi non plus. Je ne sais pas comment y arriver sans toi. Mais on ne peut pas rester là. Fils, je suis de retour. Atreus. Avec tout ce bruit, j'ai cru que... Tu n'as rien. Je vais bien. Viens. Prends tes affaires. Nous partons. Je croyais que j'étais pas prêt. Tu ne l'es pas. Mais nous n'avons plus le choix. Prouve-moi que j'ai tort. Oui, père. Ça va être un long voyage. L'aventure oui, commence. Mais c'est important. Wow. Qu'est-ce qui s'est passé? Ok. Donc c'est totalement un open world. J'ai pas envie de m'avancer, mais ça a l'air d'être... Ou en tout cas un semi-open world. Bien moins dirigiste que les anciens God of War. Je ne sais pas. Qu'est-ce qu'il nous voulait? On n'a rien de spécial. Oh, si, si, si. Je suis très spécial. J'ai fait ce que j'avais à faire. Mon fils ne sait pas que je suis un demi-dieu, en tout cas, on lui a pas dit depuis le début du jeu, hein. Mais, ce qui est bon à savoir... Ne me laisse plus jamais seul, d'accord? D'accord. C'est que quelqu'un voit d'autres demi-dieux, ou en tout cas, des mecs bien plus qu'humains, pour me soutirer une information dont j'ignore encore l'existence sûrement. Mais viens, fils, non? Allez, vas-y, hein. Chacun pour sa... Chacun pour sa pomme, comme on dit dans le milieu. Il est là, c'est bon? Ok, là, ici à venir. Voilà, il y a des... Monte. Peut-être un dieu qui envoie d'autres demi-dieux. T'as déjà tué des hommes avant, n'est-ce pas? T'as l'habitude. On fait ce qu'on a à faire pour survivre. Les animaux, je comprends. On les mange. Les drogards, ils sont censés être morts. Mais les hommes, ils essayent de survivre aussi. Tu dois fermer ton cœur. Au cours de notre voyage, nous devrons affronter de nombreuses créatures. Ignore leur désespoir. Ferme ton cœur à leur souffrance. Tu ne dois pas ressentir de pitié pour eux. Ils n'en auront pas pour toi. Je comprends. Ils ont pensé à l'écho et tout. Donc on a quelque chose ici. Quoi?
T'es tout à l'heure. Putain, j'ai fait Karim, a fait peur. Ah, il tire vraiment où je vise en plus celui-là. Hein. Depuis tout ce temps. Ok, on est parti, les gars. Tu veux bien m'aider à monter là ? J'aurai une meilleure vue. Ok, vas-y, fils. Je t'y emmène. J'essaye de comprendre un peu déjà comment ça marche cette petite pièce. Est-ce que t'as quelque chose à activer ? Sois un malentendu. La seule chose à faire, c'est de traverser ce pont. Ok. Ok, bon. Et ben voilà. On va pas se faire chier, on essaye plein de trucs, hein. On sait jamais, c'est en essayant qu'on comprend. Très bien, on a quelque chose ici, je ramasse, c'est de l'XP. Clairement, je dis pas non. Hop, ça, je tabasse. Ok. On a quelque chose, mais je pense pas que ça soit... Très bien, c'est très étrange. Est-ce que je peux monter? Attendez, je me suis peut-être fait chier pour rien, parce que je crois que je peux... Attendez. Quelque chose par ici. D'accord. D'accord, il suffisait de tourner ça. Ok, pourquoi pas. Vas-y, fils. Vas-y. C'est bon. Non, mais il est malade. Totalement timbré, ce gamin. Ok, j'ai fait ça parce que de toute façon... Oh, super, encore un petit secret ici. Oh, super, encore un petit secret ici. Impeccable, c'est de la thune. Ok, très bien. Voilà ce qu'on va faire. J'ai mis ça parce que je pense qu'il y a... Ben oui, mais c'est même sûr, regardez. C'est par ici qu'il fallait passer de toute façon. Mais mieux encore. Il y a forcément quelque chose ici, non? En sautant, regardez bien. Us ! Voilà, il y a quelque chose, les gars. Allez, ça c'est cadeau ça! Coup de tête, on n'en parle plus, même s'il met un coup de foot, c'est pas grave. On va dire qu'il met un coup de tête, c'est pour le spectacle. Et la mise en scène. Ok, j'arrive, fils. Ok, on va monter tout là-haut. C'est là qu'on se rend compte qu'entre God of War 3 et God of War 4, et donc entre la PlayStation 3 et la PlayStation 4, il y a eu une énorme évolution. Hein. Non. Ils essaieront de nous détrousser? Peut-être bien. Oui. Ok, de toute façon, ils vont pas me lâcher. Hein. Ils vont clairement pas me lâcher. C'est par ici. Je sais pas où cela va nous mener. Mais je peux vous dire que ça va être sanglant. Parce que c'est que le début de ce périple. Attends, mais c'est pas un open world. Je refuse d'y croire. Ce serait incroyable. Regarde. Depuis tout ce temps... La forêt tout entière était protégée par un symbole. Mais... Le symbole est brisé, là. C'est toi qui les as coupés. Elle avait marqué les arbres qu'elle voulait pour son bûcher. Pourquoi elle a fait ça? Viens. Trop tard pour les regrets. Putain, c'est insane. Ces biceps sont des biceps, frère. C'est n'importe quoi. Je pense qu'on va s'arrêter là. Hein. Je pense qu'on va clairement s'arrêter là. Dites-moi un petit peu en commentaire ce que vous pensez de ces deux premiers épisodes. Assez dingue. On a affronté un boss, on a affronté plein de créatures, dont une grosse créature dans le premier épisode, puis un boss dans le deuxième. Un combat assez épique. Ça a l'air bien équilibré, les phases d'action qui durent assez longtemps, qui sont gourmandes et qui ont l'air vraiment cool. Dites-moi en commentaire un petit peu ce que vous pensez de tout ça. On va s'arrêter sur ce magnifique paysage. N'oubliez pas de j'aime et le commentaire. Et je vous dis à très bientôt tout le monde. Portez-vous bien comme d'habitude. Ciao, ciao.